Plusieurs points intrigants, je dois dire. Des nouvelles des échauffourées de Grosvenor Square? La police mène l'enquête. Elle mène l'enquête. Les Lycans sont au port de la United India Company, qu'en dites-vous? Mayfair n'est plus ce qu'il était. Permettez-moi de vérifier certaines de mes expériences. En attendant, jetez un œil. Faites mumuse avec ce qui vous plaît. Mais faites attention. Nicolas, comment va votre ami Edison ces jours-ci? Thomas et moi ne sommes pas vraiment en bon terme. Ce n'est qu'un imbécile! Pour moi, c'est du charabia. Nicolas, quel futé celui-là. Belle antiquité. Difficile de croire qu'on ait un jour utilisé ces communicateurs. Messire Galahad! Ici, je vous en prie. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Cet engin permet de convertir le courant continu inutile d'Edison en courant alternatif nettement supérieur. C'est pratique pour surcharger certains appareils électriques particuliers. C'est un simple correcteur à tube électronique doté de pinces en cuivre afin d'amplifier ses capacités. Oh, et sa superbe mallette en cuir. Chaque tube contient une petite quantité de mercure. Quand les niveaux de mercure sont alignés, l'appareil est opérationnel. Allez-y, essayez. Cela peut s'avérer un brin malaisé. L'alignement doit être parfait. Ah. Vous ne cesserez jamais de surprendre, Nicolas. J'aimerais avoir votre avis d'expert sur ma dernière création. Par ici. Carabine de précision M84 Essex. Impressionnant. Vous avez toujours eu l'œil affûté. Je l'ai équipé d'une vue télescopique, idéale pour les tirs longue portée. Je serais ravi si vous pouviez le tester. Avec plaisir. Votre talent m'impressionnera toujours. Le recul est brutal, mais gérable.
Un silencieux ne serait pas de refus. Je m'en occupe immédiatement. Souhaitez-vous faire la connaissance d'un autre de mes enfants ? L'offre est tentante, mais je dois rejoindre les autres. Bien sûr. Oh, la longue vue demandée par le général Lafayette est là, sur la table. Je m'assure qu'il l'est.